Et donc, dès le départ, de toute façon, j'étais programmé pour ces deux matchs-là. Certes, le vendredi, mais le dimanche, le match décisif, il est pour moi. Et puis, d'un coup, il y a l'étincelle, il y a la magie qui arrive. Et c'est ça qui est magique, du coup, dans cette compétition, parce que, voilà, j'en parle, je, ça m'excite un petit peu, ça me fait frissonner. Screaming, go back for it to drive, dictates that journey. Don't lack with it, future stays in front of our view. We must capture it. It's been time to shoot our shot. We're so accurate. Work hard so we can work harder. Attacking it, everything that we have been a part of. You only know half of it. Behold. Sur le papier, on a quoi en face? On a Lewis numéro 1, je crois qu'on a Rafter qui doit être encore dans les 10 ou même dans les 5 en simple. Woodbridge numéro 1 en double. Non, ça c'est certain qu'on part pas favori. Et même si on était quelque part, là je fais un petit clin d'œil, le petit village de Gaulois, là-bas, tout au bout du monde, chez eux, leur surface, leur public, et puis ce petit quartier là de Français, de gens qui sont venus, qui ont fait le voyage, donc c'est beau. Franchement, les quelques milliers qu'ils étaient faisaient quasiment autant de bruit que les 12-13 000 Australiens qui étaient dans le stade. En 99, nous, on avait fait ce choix de la terre battue en se disant c'est ce qui va embêter le plus les Australiens. Finalement, on a eu un Philippe Houssis qui était en feu. Et Witt qui se débrouillait très bien, bon les Woodies qui étaient les Woodies, et puis inversement sur gazon où finalement Nicolas Escudé, bon c'était quasiment sa meilleure surface, moi c'était une surface où je jouais extrêmement bien, Grosjean aussi, Ouais le rêve, que rêver de mieux que de jouer la meilleure équipe au monde chez elle et sur sa surface de compétition. Présentation des équipes, premier jour, je sais en plus de par le tirage au sort que c'est moi qui ouvre le bal, c'est moi qui dois lancer quelque part un petit peu les choses face au numéro 1 adverse, à savoir Leighton Hewitt, numéro 1 mondial. Ouais, énormément d'adrénaline, d'autant plus particulière et savoureuse que c'est une finale. Mais j'avais une confiance inébranlable en fait à cette période-là en Coupe Davis. C'est mon jeu, c'est la façon dont j'avais bu battre déjà Leighton Hewitt. C'est pour moi en plus, je pense, avec les qualités qui étaient les miennes, la meilleure façon de pouvoir jouer sur gazon et de le maintenir sous pression en permanence. Mais en tout cas, moi, je le lâcherai pas du premier au dernier point. Et c'était ma façon de voir les choses. Et je l'ai plutôt bien réussi en plus sur cette finale où sur ce premier match, il y a eu à un moment donné, justement, dans le quatrième, cette fameuse, qu'on peut appeler chez nous, cette fameuse zone où ça y est, tout est en train de se mettre en place et quelque part, on sait ce qui va se passer à l'avance. Je sais que je vais servir à tel endroit, je sais que le retour va forcément arriver là, je sais que derrière la volée, je vais la mettre à cet endroit. Que s'il est dessus, il n'y aura pas d'autre solution que de la jouer là et je pourrais terminer l'autre. Ça y est, il y avait tout qui était aligné et c'est une sensation qui est extraordinaire parce que là, pour le coup, tout vient naturellement, c'est trois points. Donc ça y est, le premier effet, face en plus à leur numéro 1. Enfin, Seb derrière rentre en jeu face à Rafter, on a le double, on est lancé. Mais on le disait, on était quand même très très loin d'être favoris sur cette rencontre. Donc tourner dès le premier jour face à cette équipe-là à 2-0 aurait été un exploit, je dirais, majuscule. Voilà, ça n'a pas été le cas, hein, partout. Et puis derrière, il restait encore 3 matchs. Moi, le souvenir que j'ai de ce double, c'est mon mauvais démarrage et c'est le moment où je bascule et que je me mets dedans en fait. Je crois que je me fais breaker deux fois, je crois, en premier. Vraiment, je suis pas là, quoi. Je suis en tension, mais la mauvaise tension, la tension qui te paralyse, qui te bloque. Cédric, à un moment donné, il faut juste...
la remettre. Si elle est basse, qu'elle est dure, je cherche pas à la récupérer. Tu l'as dévié. Fabrice, lui, il est bien, enfin, il a l'air bien. Et finalement, il y a un moment. Alors, moi, quand j'étais nerveux, c'était mon lancer de balle souvent. Et je lançais la balle et trop à gauche, le règlement l'autorise, j'arrêtais la balle et je refaisais ma routine et je resservais. En Australie, ils ont une expression, c'est mate, mon pote, quoi, quelque part. C'est un petit peu ça, si on pouvait le traduire en français. Et souvent, c'est une expression, le sorry mate. C'est une expression que Rafter emploie beaucoup, ou employait beaucoup. Et je sais plus, à ce moment-là, on est à la fin, je pense que ça doit être la fin du premier set, ou un truc comme ça, ou début du deuxième. Et je suis un peu en difficulté sur mon service, je rate mon lancer, et je lance comme ça, assez fort, un sorry mate, quoi. Et donc là, je fais rire le stade. Et il y a cette espèce de truc où d'un coup tu te détends, quoi. Il y a un truc qui sort, quoi. Voilà, un truc qui sort. Et puis je me mets dedans et donc je me mets à jouer. À chaque fois que ça a pu fonctionner, voilà, c'était une équipe. C'était pas deux individualités qui font le boulot chacun de leur côté. Et ça a été magnifiquement fait par Cédric et Fabrice. Évidemment, il y a la satisfaction collective voilà, on fête tous ensemble, il y a cette joie, on a gagné notre point du double et satisfaction personnelle dans tout ça. Je sais même plus trop comment ça s'est passé entre la fin de son match. On s'est forcément vu dans le vestiaire. Donc oui, c'est des moments voilà, où un petit mot, une petite tape sur l'épaule, histoire de le rassurer, t'inquiète pas, c'est pour moi derrière. Il a fallu très très vite que je switch sur quelque part l'approche du match et la visualisation que j'en avais faite, vu que j'étais quand même relativement focalisé sur du Rafter. D'ailleurs, j'avais regardé pratiquement en totalité le match le premier jour, le vendredi, qu'il avait pu faire sur Seb. Mais l'objectif reste le même, avec certes une problématique qui gaucher, très gros serveur, offensif, et que on sait que sur ces surfaces-là, ça se joue à un point, deux points. Puis il y a eu un espèce d'ouragan, orage monstrueux, là, une dépression qui est arrivée sur Melbourne. Et donc le dimanche, c'est joué avec un toit fermé, ce qui change totalement l'atmosphère. D'un coup, même le ressenti que nous, on peut avoir en bas par rapport au public, la résonance. Donc c'est le même lieu, mais totalement différent, la lumière artificielle. Et puis, un match complètement fou, quoi. Sur ce début de match, je suis extrêmement concentré sur moi, ce que j'ai à faire sur mes jeux de service pour ne surtout pas me faire breaker, plus que sur une vision globale. Dans un premier temps, tes jeux de service, amène-le sur les fins de set, on va voir comment lui réagit dans les moments un peu chauds, et ainsi de suite. Et puis, plus c'est allé dans le match, plus j'ai commencé à avoir une emprise sur lui, anciennement à me sentir aussi de mieux en mieux, et pour après ne plus lâcher. Pas de fébrilité ou pas de, à un moment donné, de prise de conscience de « Oh putain, ça y est, c'est maintenant. » Ouais, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que le premier truc est une satisfaction collective à les voir juste dans la loge exploser et au-delà d'une satisfaction collective de se dire « On s'était dit qu'on le ferait et on l'a fait. » Et ça a été les premières choses qui sont venues. Et après, c'est une sorte de brouillard, on est en lévitation. On est en lévitation pendant un petit moment.
Enfin, je crois que tout le monde a plané, mais on a plané, quand je dis on a plané, on n'a pas plané pendant 5 minutes, quoi. On a plané pendant, à mon avis, jusqu'au moins au lendemain, où il y avait une euphorie collective, une beauté dans justement une sincérité de tout le monde dans ce qu'on ressentait, dans l'accomplissement, dans de joie, de... Enfin, c'était vraiment... Et c'est là où tu te dis, ouais, je suis maso, mais ça vaut le coup, tu vois. Ça vaut le coup parce que ce bonheur, finalement, moi... Bon, bah, ça fait 20 piges, déjà. Enfin, je ne l'ai pas retrouvé, quoi. Je le retrouve nulle part, moi, ce truc.